Hello guys, moi espère que nous en forme grâce à Grand Architect là. Jodi a nous gagnons un invité spécial qui va participer dans show Real TV, la télé réalité a. So m'a invité à venir présenter lui. Comment vous êtes, comment s'entourez, comment tout va aller pour vous? Bonsoir et Real TV show, c'est un plaisir pour moi avec nous. Donc non pas c'est Charles. Donc peut-être qu'il y a plein de monde qui est vraiment habitué avec nous déjà, mais en même temps tout bien droit des monde qui pas connaît nous. Donc bon, c'est nous allons passer un bon petit moment ça. OK, et Charles. So jodi a nous vini ici pour nous parler de un paquet de bagaille. So première question que m'ta remet poser ou et est-ce que toute bagaille clair, est-ce que tout va en forme pour est-ce que santé mentale ou est-ce que tout va OK pour nous capable de commencer en pain pour aujourd'hui? Yeah, nous très OK. Tout va en forme. OK. Le Sanes Charles pour monde qui pas connaît, le Sanes Charles c'est un citoyen qui t'a vécu ici Brésil qui allé directement dans un pays que nous gain pour nous citer tout à l'heure. So, il va expliquer en fait compte comment ça t'est et première question nous t'est capable poser le Sanes. Est-ce que il important pour un citoyen fait passeport mettez la même si il pas ta gain l'idée pour le parti qu'on y a, est-ce que il possible un citoyen capable fait passeport mettez là jusqu'à ce que il capable sortir? Un passeport c'est un document et de voyage pour réaliser des voyages internationaux. Donc c'est pas vraiment une pièce d'identité que nous utiliser au niveau national trop, même j'ai avec un cadre d'identité national. Okay. Même bon, si mon nom par exemple les gain projet pour les voyager, les plus que essentiel pour t'a toujours gagné parce qu'on est disponible. Surtout si on est en Haïti avec situation de crise, de peur qui toujours gagne dans pays, moi-même, moi pense que c'est très important pour mon t'a toujours gagné document ça. OK, le CNS et moi connais que au t'a vivre Brésil, comment ça t'est pour comment t'a vivre Brésil même? Tout bas a été en forme, donc nous entrons au Brésil en 2016 et nous sortis au Brésil. Bon, nous voyageons, nous pas dire nous sortis, donc nous en cadre d'un projet d'études en 2024. Donc c'est déjà 8 ans depuis que nous avons vu au Brésil. Tout bas est en forme normal, nous avons étudié, travail, etc. Ok, moi comprends et. Jusqu'il est où vous décidez, sous vous entrez au Brésil depuis 2016, pas vrai? Yeah. Sous vous entrez au Brésil 2016, vous passez près de 8 ans au Brésil. So, vous connaissez toute activité, vous connaissez tout comment et société aille. Jusqu'il est où vous décidez de dire qu'il faut que vous sortiez quitter le Brésil pour aller vers un autre pays? Bon, excusez-moi si je fais une petite correction, je n'ai pas quitté le Brésil, je suis déplacé dans le cadre d'une étude. Et le déplacement, ça, c'était un projet d'enfance. Depuis le petit, j'ai toujours souhaité étudier côté MIA. Donc, bon, finalement, c'est un projet finalement, qui a fait très bien. Donc, c'est ça. OK. D'après un pile étudiant Brésil, Brésil, c'est un pays qui a un pile avantage avec étudiants qui a étudié la CAEL. So en pile étudiant et parler de ça surtout étudiant haïtien yo qui viennent qui quitter pays yo qui viennent poursuivre étudier ici et yo toujours parler de en pile avantage que étudier ici Brésil gagne. Est-ce que pendant 8 ans ça t'es fait, est-ce que ou t'es fait étude puisque ou sorti pour étude puisque nous connaissons Brésil son pays qui gagne en pile université et yo presque gratis avec en pile avantage. Dis-moi non, est-ce que vous pas tenter chance entrer dans faculté ici faire un série de bagaille avant que vous allez étudier côté Walia? Yeah, moi fait ça donc de 2016 à 2021 en période ça m'était en période d'apprentissage apprentissage langue culture et comprendre fonctionnement pays hein. Et puis après moi entré moi fait une étude dans chimie analytique côté moi certifié et diplômé et pour en ce qui a trait à question de avantages pour les étudiants
dans le bois. M'a dit c'est un bagage qui presque partout, c'est pas seulement au Brésil. Et c'est tantôt qu'il y a des avantages qui attaché avec le profil étudiant. Mais Brésil, oui, c'est ça qui gagne, l'on a étudié. Par exemple, je suis capable de passer le concours pour entrer dans l'école publique. L'Olboa, je n'ai pas de payé. C'était tout à fait gratuit. C'est seulement document, oui, on pas payé. Donc, c'est au même question des livres et tout ça. C'est au même qui supposé faire les gens qu'on est vocal jeune. Mais après, c'était tout normal. Bus, on va payer ça avec 4 étudiants, tout ça. Et puis, là, on va utiliser tout le DEA, il y a une possibilité pour jouer un stage. Ok. Faire stage dans toute entreprise et qui est lié avec le niveau de compétence qu'on a formé là-dedans. Ok, ok. Moi, je comprends. Vu que vous faites études ici au Brésil et vous allez dans un autre pays pour continuer l'étude là, ou bien pour entamer un autre processus, est-ce que dans 8 ans, on fait Brésil, on pas tenter faire passeport brésilien pour te sortir quitter Brésil. Au moins, comment ça y est? Bon, pour moi, c'est ensemble. Avoir question, chercher faire passeport brésilien, c'était un projet qui va pas dans l'esprit du tout. Okay. Donc, c'est un jeune haïtien, malheureusement, pays en situation difficile que la connaît, et forcer nous quitter le pour nous aller vivre dans l'autre pays. Mais l'année qui vient dans l'autre pays, on était toujours bien ça comme projet. C'est tourner la caille pour nous bailler ou pas nous. Okay. À un certain moment, oui, vision pour ta gain passeport brésilien pour nous cacher une série d'avantages qui attachés avec le profil monde qui vient gagner passeport brésilien. Oui, ça a qu'on passé dans tête moi. Mais je pense que il pas ton priorité. OK, il pas yon priorité. Moi comprendre l'Océanès. Est-ce que vous sentez que c'est impossible pour un haïtien quitter le Brésil avec passeport haïtien pour aller dans l'autre pays? Et vous c'est rare haïtien, ou c'est m'pas dire unique, mais c'est rare haïtien qui utilise passeport haïtien pour sortir et qui rive côté là, comment ça est? Est-ce que c'était difficile ou bien est-ce que tout bagaille était facile pour aller? Bon. Et comme on déjà et petite précision et parce que passeport haïtien c'est pas un mal lié. OK. Même dans cette situation Haïti a connu. OK, situation d'instabilité, mauvaise gouvernance. OK. Et rien pas fonctionner dans le pays hein. Et pas gain une administration d'État réellement vrai qui a fonctionné, comprendre comme ça. Ça y est, nous, tout notre pays qui développé ou pays qui en voie de développement. Okay. Et ça vient créer une image des Haïtiens. Puis, Haïtiens qui voyagent de partout de façon illégale, que ce n'est pas parce que vous voulez, mais c'est parce que c'est le seul moyen présentement de gagner. Ce n'est pas que nous encourageons, mais nous pas qu'à décourager tout, nous connaissons la situation d'accueil. Et donc, je pense que le passeport haïtien n'est pas mal. Mais oui, l'on va vivre dans le pays ça yo, avec un passeport haïtien et possibilité pour pas jouer un visa parce que au sein haïtien il existait mais ça pas veut dire depuis demander un visa ça yo pas baoul c'est parce que son haïtien ou c'est parce que avec un passeport haïtien non sous convaincant ou présenter dossier de façon correcte ou respecter toutes les normes techniques et administratives ou convaincre et yon ambassade yon consul. OK, donc on pense à travers Jean montre dossier, on pense passeport haïtien n'a pas posé aucun trop gros difficulté pour joindre visa. Comme on t'ai corrigé déjà, moi pas unique haïtien qui joigne visa pour voyager dans plusieurs côtés déjà, mais c'est pas premier visa, c'est plusieurs autres pays. Ben pense bah j'en moi qu'on dit parce que c'est passeport haïtien on va bon mais toujours bon visa. OK, so on va nous aller trop loin. Moi ta remè ke ou di et moun ki ap gade show a nan ki pays ou ye directement ki pays ou sorti et nan ki pays ou ye actuellement là. Bon, pou pays m sorti a tout moun konnen, mwen c'est Brésil mwen tap viv. OK. C'est un pays mwen remè, c'est un pays m pa jamais ka abandonner. Okay. Comprenez? C'est un pays mwen remè avec tout cœur. Comprenez?
Et actuellement là, moi Montréal et au Canada pour une étude, j'en ai dit déjà. OK, Lucianès, comment processus ça y même? Comment processus là t'es? Et est-ce qu'il y a des monde qui travaille sur projet ça avec vous? Et est-ce qu'il était difficile? Parlez-nous un peu des processus là. Comment on fait sortir Brésil avec passeport haïtien pour arriver Montréal Canada et ou pas tenter faire passeport brésilien etc. Et comment ça y est? Comment processus là t'es même? Bon, est-ce que processus là difficile? Oui, je m'ai dit difficile, mais c'est pas impossible. Parce que tout ça joint de façon facile. Il va aller facile tout, aller facilement. Donc, et c'est un processus qui moi-même beaucoup moi monté sans aucun soutien de aucune agence, ok, agence de voyage, soit mon agent immigration tout ça, et avec propre information que moi chercher, et puis moi monter dossier tout là, parce que c'est normal. Et bon, pour moi, il a fait quoi que si la vie brésilienne c'est seulement avec un passeport brésilien que les cas voyager, bon. Je ne vais pas retirer la croyance, non, même pas penser que son bagage qui gagne un fondement qui est trop convaincant. Okay. Vous comprenez? Et je pense que le visa tout le monde, surtout le pays occidental, il y a un visa en fonction des profils. Vous comprenez? Et par exemple, quelques petites techniques sur son monde qui travaille bien, qui gagne. Qui a recevoir un bon salaire ou gagner un attachement qui montre que on va retourner dans un pays à comprendre ça etc. Donc c'est genre de critères ça yo là yo passé yo en analyse yo voit que on répond avec tout critère parce que ça au besoin convaincre agent c'est que on peut aller après ce jour on retourner parce que on montrer que on gagne attachement avec pays d'origine ou OK. Au bon pays que tu as vivre là, que tu as demandé visa. Des bouca montrer que après ton dit ou faire là dans l'Europe, qu'a retourner, il y a baou. Ça c'est sûr. OK. Et Lucianès, combien de temps ça te dirait? On prend par exemple si on a commencé processus là jodi hein. Bon, combien de mois vous pensez environ processus là ka dire? Est-ce que c'est un processus qui prend pile temps ou prendre pour mon jeune? Processus visa étudiant, c'est un processus visa qui est plus rapide, même les plus complexes. OK. Et complexe dans le sens de ensemble de documents ou supposés réunis pour joindre. Et puis avec un ensemble d'exigences sur fait. Parce que le visa étudiant, d'abord, il faut que vous gagnez l'école, OK? Soit une université, un collège, un bacon, etc. Et tout dépend de vision, projet, et qui accepte, qui l'a fin accepté, il y a bon l'état d'acceptation, et puis on continue avec le processus. Bon, je ne vais pas plus entrer dans l'aspect technique, non? Et, mais pour me dire, moi, j'ai vraiment une bonne connaissance de ça, parce que c'est un processus, non seulement moi fait pour moi, mais moi, j'ai pris un échec tout. Non, il y a un autre processus similaire. Qui parle essentiellement ça. OK, okay dans le même pays processus, Canada. Excusez, processus ça que vous prenez échec là-dedans. Est-ce que c'est un processus pour aller au Canada dans le même pays hein? Est-ce que c'est un processus tout qui pas visa étudiant qui était visé un autre type de visa? Yeah. Et c'était un autre type de visa, c'était visa visiteur. OK? Mais c'est pour combien visa? OK, on me demande pour Canada, il y a pas de bon moins parce que consulat pas même fondement dossier maintenant. Li dit en fonction de ça moi dit dans dossier et moi pas montré que m'a retourné après ce jour moi dit moi faire Canada. Donc de là étant il dit et c'est pas l'aime dit li dit c'est pas physiquement comprendre parce que possible demande des actes. La réponse que il y a pas gain entrevue exactement. Maintenant lettre refusant vous voyez baoua, li expliquer de façon diplomatique motif qui fait yo pas bon visa. OK. Donc On va continuer. Ya, yeah, ou capable. Donc excusez. Puisque vous dit que li pa dou ça en face, est-ce que dans processus ça pas gain déplacement pour aller dans l'ambassade Canada ici au Brésil? Bon, et
gen déplacement, mais on va pas aller directement dans l'ambassade. OK. On va aller dans un non instance au Brésil qui est le IRCC. Donc c'est instance ça. Pour aller faire ça. C'est ça que moi ça non, on va aller pour faire pour prendre en empreinte digitale là. Mm-hmm. Et puis on va faire photo tout. Et puis l'autre fois bien pour retourner, c'est pas là dans le droit pour retourner, des pour approuver, c'est à le faire examen médical yo, qui coûtait vraiment cher. OK. Donc pour ce ça le mais directement dans l'ambassade là on va aller. OK, oui. Pour durer ya, OK, nous t'es entré dans l'autre temps. OK. Pour durer ya, pour processus visa étudiant, il fait le plus rapide. Et la durée de 5 à 6 mois. 5 à 6 mois et puis tout bail OK. Yeah. OK. D'après où le sélection on a fait processus a commencer processus là ou bien on qui t'a voulu préparer pour commencer processus ça combien comme environ penser que les cas besoin préparer. Bon. Et chaque niveau d'étude ici là, ils correspondent avec un montant. Donc si on monde n'a venir septembre pour l'étudier. Par exemple, médecine, il va l'étudier dans le domaine aviation. Du moins son collège là vient faire yo chaque gain prix pa yo, vous comprenez? Donc gain prix l'école là, gain prix pour ensemble de dépenses gain pour faire sur territoire là, soit pas accompagner famille tout ça eux au bon ensemble de prix. Et pour moi dire comme technique par exemple monde qui t'a gagné intérêt ou du moins c'est un projet pareil qui t'a voulu venir étudier sur site officiel gouvernement, il bay toute information yo, même là qu'on est dans pile détail sur jeune monde par exemple qui passait dans processus ça déjà et les cas résumer les belles fois les plus rapides et puis confiant on comprend au cas font ces gens pas être puis convaincant mais sur site officiel gouvernement Canada qui c'est canada.ca les bail toute information OK toute information toute démarche mais comment vous faites. Quitte ces questions l'argent, quitte ces questions l'école, quitte ces démarches, ensemble des obligations que vous avez ou même comme étudiant international, etc., etc. Donc, nous pensons dans l'autre prochaine émission, ou du moins, dans l'autre occasion, nous allons venir avec aspect technique, yo. Nous pas agent immigration, nous pas bail visa, nous allons toujours bail mon conseil, montrer comment vous montez processus, etc. Si toutefois ça a fait partie du projet. OK. Et bon essayer passer message ça ou même qui a regardé vidéo ça si tout ça qu'a dit yo intéressé pas oublier ou ca sponsoriser vidéo ça avec un like abonner et puis partager vidéo ça tout côté dans groupe WhatsApp Facebook Instagram partager le tout côté afin que en pile étudiant en pile monde ici au Brésil capable gain idée et capable commencer agir l'autre façon so Lucianes jusqu'il est exactement ou dit que processus ça lui-même li OK ou mais qui dernière étape de pour well ou senti que processus ça lui-même li sont réussi. Ah exactement. Et avant dernière étape là, c'est l'ambassade là entre en contact ensemble avoir à travers un courrier électronique li mando pour aller faire examen médical. Donc depuis yo voye c'est yo même qui relo aller faire examen médical. Ça déjà bon sensation et bon on ti crasse certitude que ensemble de dossiers ont évolué yo analysé yo convaincu finalement au plus près que au plus loin et exactement dans cas pendant c'était comme ça s'était passé et c'était exactement c'est ça le vraiment et l'iram pour éliminer un monde ou bien pour le prendre échec li après le fin faire examen médical ça l'ira. Oui, l'ira, mais c'est parce que ça qui kabaoul, parce que m'a quitté ça comme aspect technique dans la prochaine vidéo pour nous venir ensemble avec yo. OK. Parce que il y a trop de détails là-dedans parce que si mal abordé n'importe qui gens mon nan qui par exemple on dit mon cap garder mission là qu'on y a là qui gagne intention ou je risque dans processus là. OK, il pas veut parler ça avec moun, mais connaît que gagne moun parce que moi même tout, même temps dans processus là. Et curiosité soit te gagne, te gagne en pile. Moi chercher information, moi pas ca jeune parce que même le ou fin approuver, vous voyez demande on li approuver fin ba examen médical, vous voyez résultat ba, yo dit approuver,
Ou ka voye passeport encore, même passeport pour voye là aller l'ambassade là, c'est un processus technique, faut qu'on comment pour faire etc. Okay. Donc aspect technique yo non pas vraiment touché yo, mais c'est toutefois au monde et qui a suivi mission ça par exemple, il dit ah bon ta mais qu'on comment processus ça fait, il ka quitter l'espace commentaire là. Et yon nan bay mwen pa kap fè, mwen pa kap bay numéro téléphone mwen ni email mwen. Men nan an dan espace commentaire lan, moun nan ka toujou pose question an. Kon sa, ou men mou ka toujou fè contact ensemble avec mwen. Et puis, nan edo et pote explication pi clair pou moun. Comprenez? Ok, so mwen pou mèt sa. N'importe moun ki gen dout sou yon bagay nan processus visa étudiant ou bien l'autre visa ki gen rapport avec Canada ou bien kek l'autre pays, ou kapab kite nan commentaire yon message. Et que nous retourner pour venir faire vidéo sur lui pour expliquer et bon toute tactique toute ligne afin qu'on capable entrer directement au Canada. So et l'Océanès, puisque on dit que pour ceci ça c'est au même celle qui fait sans agence sans, est-ce que ou pas arrivé yon côté ou gain doute ou dit est-ce que pour ceci ça lui-même il y a une réussite ou pas gain doute ça bon. Et pour moi, je suis très persistant et qui très optimiste. Tout ça m'a fait, moi toujours prêt là-bas. Si l'aile pas bon, je dis, oh, pas bon. Et l'aile pas bon, je toujours prêt que si l'opportunité m'a joint, pour moi apprendre. Parce que je ne peux pas jamais désister. Je ne peux pas jamais désister. Pour moi, je ne peux pas dire, moi, je suis tombé, j'en ai d'avancé sur ça. D'ailleurs, pour moi qui a suivi, je vais suivre, et je vais dire, comment ça y est, etc. Je comprends une curiosité vraiment pile. Et parce que, comme je disais, la question processus de mon visa, les gens qui se mafia organisé là-dedans. Parce que son business lié. Son business lié. Donc, ça veut dire, si on ne va pas entrer tête dans le business, on aime du business sans son but. Parce que le Canada, il fait ça, il est immigration économique. OK. Donc, son thème, nous avons vu depuis devant pour nous expliquer, vous comprenez, parce que nous-mêmes, quand dans la réalité, nous comprenons ça, nous arrivons ici, là. Et c'est ça que fait ta souhaité que vous invitez moi l'autre fois encore pour nous parler, parce que gagner des marches pour aller jouer un visa, gagner un voyage, là, et gagner une réalité à l'arrivée là-dedans pour comprendre. Et puis bien, vous ça me dit, parce que tout genre d'informations, ça, c'est des informations qui sont extrêmement importantes pour les gens qui a embrassé un projet comme ça pour le cas comprendre que c'est pas seulement rose, bah il y a pas seulement rose, mais il y a gain l'autre côté, il y a gain l'autre aspect, gain on sait de préparation, on suppose fait qui est très important, on comprend. Donc mais c'est toujours un plaisir en tant qu'haïtien et si bon monde par exemple quand on processus là rose, mais si gain projet ça qui t'a même réalisé, nous on était ouvert, donc nous sont les ouverts, il y a toujours, j'en ai dit déjà dans l'espace commentaire là mandé ou etc. Et puis comme ça nous même n'a venu avec plus d'explications. Mais pour me dire tout, ça qui est intéressant, c'est que en dans processus ça, sans que c'est pas vanté n'a vanté tête. Non, le fait que nous faisons, nous maîtrisons très bien, c'est nous c'est une dans monde qui a aidé mon réellement vrai réaliser ça, il pas besoin de passer un paquet d'argent pour ça. Ya yeah, parce que pour comprendre un processus bien, faut qu'on prenne échec là dedans, faut qu'on couvre échec ou répare échec ou et vous venez comprendre. Donc aussi on a un monde qui prend environ 3 échecs dans demande visa Canada et c'est qu'on a rentré et on gagne l'autre monde qui va aider entrer etc. So on pense que réellement aussi on a un monde qui souligne qui a expliqué et qui capable kembe mais monde pour remplir un série de bagages qui pour faire que yo fait processus ça normalement. OK. Et sous des gars un dernier mot que ou te ka di pour tout le monde qui a regardé qui sale tapier. Et m'ta di yo faut que yo gon objectif. Des beaux gon objectif et vous pas besoin trop rapide là-dedans. Vous comprenez définir un plan d'action. Donc le plus souvent c'est lorsqu'on bagaille sérieux vous voulez réaliser ou faire une projection sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je supposé penser même j'avec un entrepreneur. Un entrepreneur et ça l'a fait je dis ça c'est consommateur lui qui a consommé. Mais ça le fait consommateur consommer, il fait il déjà en prévision sous 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, sous 10 ans, il dit comment je veux ouais entreprise là. Et bien, prends la vous comme si c'est une entreprise qui va organiser la ville étape par étape de façon méthodique. Mais faut attacher, faut foncer tout. Bah, il dit, ah non, et bon échec, ah bah, il n'y a pas chercher excuse. Là où ça va marcher, chercher toujours une façon
pour qu'à contourner une situation. Situation paraît des longs une situation difficile. Son test la vie bah ou même, ok, il a passé à l'épreuve pour capable de réussir. Donc foncez, définir qui sont les très clairs et puis sacrifier pour lui et puis après réussir, c'est ça. Donc c'est ça me décadie en gros, comprenez, en pile discipline, organisation et puis bâton. Il y en a bagay qui me toujours dit toute bagay qui bien fait toujours difficile à fait. Et c'est il y en a preuve que citoyen lui-même il fait 8 ans au Brésil. So, il passe au Brésil avec passeport brésilien comme en pile haïtien fait. Et gagne haïtien même qui même rivé gagne passeport brésilien et qui prend route là qui aller qui pas utiliser passeport brésilien. Donc citoyen t'est obligé accepter comme haïtien, accepter comme patriote et faire processus là, il prend échec 3 fois jusqu'à ce qu'il pas jambe bay bag jusqu'à ce qu'il arrive fait. Donc ça c'est une histoire vraiment vraiment important. So m'a salé courage ou frère et moi penser que n'a gagne pour nous venir sur plateau encore une autre fois pour nous venir expliquer chaque green étape yo. Chaque green étape pour passer jusqu'à ce que ou rive pilité Canada. So si ou gon doute sur yon question ou capable quitter nos commentaires et nous là pour répondre. Pour même cap garde vidéo ça, gagne une seule façon pour sponsoriser vidéo à, c'est partager, liker, abonner avec channel là. So on pense que n'a pas contribué devant pour une autre vidéo. Ciao.